Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Paper Mario. Nous sommes dans le vestiaire de la salle de catch de Yunnanville où on était arrivé la dernière fois puisque nous avons vu que la troisième gemme étoile, eh bien en fait, est sur la ceinture du champion de catch et donc on s'est dit, on va s'inscrire au tournoi et puis essayer de battre tout le monde, de devenir le premier, le champion et du coup d'avoir accès à la gemme étoile. Et donc, nous sommes dans le vestiaire pour l'instant de la Ligue 2 puisque nous sommes 19e je crois au total. Il faut qu'on monte en Ligue 1 en passant 11e et ensuite, eh bien, je suppose qu'en arrivant 2e, on pourra se combattre contre le champion. Donc aujourd'hui, on va arriver un petit peu, j'espère, à avancer dans le classement. En tout cas, la dernière fois, on avait juste fait un combat, voilà, histoire de se mettre un petit peu, comment dire, au courant de comment ça se passait. Et là, cette fois-ci, eh bien, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Système de gestion des combats, eh bien, on est parti pour un nouveau combat. Ok, Gonzalez, je vois que tu as hâte de t'y mettre. Let me see, tu vas te battre contre... Yes, de Koopa Cool, number 18 au classement, ça va saigner. Pour ce combat, utilise au moins une fois un pouvoir étoile. Les gens veulent du showbiz, ils veulent que ça explose, ne les déçois pas. Allez, je veux un show inoubliable. Très bien. Ah, je crois que le prochain combat est pour nous deux, que le meilleur gagne. Ah, c'est lui. D'accord, on va se battre contre lui du coup. Eh bah, tant mieux. Ah, attention. Gonzalez, c'est l'heure de ton combat, suis-moi. Eh bah, allons-y. Donc on va se battre contre lui. Très bien. Donc 18e au classement, nous on est 19e. Donc si on gagne, on gagnera sa place. Alors, le combat opposera le bourreau des enfers. Super Gonzalez, tout l'inestimable Koopa Cool. Personne ne nous battra. Ah, Gonzalez sur le ring, c'est pas de quartier. Que le combat commence. Très bien, c'est parti. Utilisez au moins une fois le pouvoir étoile. Ok, alors eux par contre on ne les connaît pas, donc je vais peut-être je réfléchis à ce que je pourrais faire. Je vais sauter sur lui en fait. Hop, les analyser, pardon. Je cherchais mon mot, voilà, je voulais au moins faire un petit indique sur cela. Hop, parfait. Alors, c'est un Koopa or, sa couleur est différente des autres Koopa. PC Max 4, puissance 2, défense 1. Ses capacités sont les mêmes que celles des Koopa Troopa. Bref, c'est un sans problème. Si tu es vraiment son ami, ne ménage pas Kevin et bats-toi sans hésiter. Très bien, voilà, attention. Hop, ok. Eh ben écoute, nous, on va mettre KO lui, déjà. Et Gumili va pouvoir analyser le Koopa volant. Voilà, comme ça au moins, on aura tout. On aura toutes les infos sur tout le monde. C'est un paratroopa or, un paratroopa doré. PC Max 4, puissance 2, défense 1. Des caractéristiques strictement identiques à celles des paratroopas. Donc, tu sautes dessus, tu le retournes et sa défense tombe à zéro. Mon coup de tête aussi est efficace. Allez, on les ratatine. Très bien. Ah, et en plus... Ah, mais j'arrive jamais à la roulette, hein. J'arrive jamais à la roulette, malheureusement. Oh, par contre, j'arrive pas à me défendre de ceux qui sautent. Eh ben écoutez, on va sauter maintenant qu'on a analysé tout le monde. Voilà, parfait. Lui, c'est du dégât. Et on va faire coup de tête sur l'autre pour essayer de le renverser. Ah mince, on n'y arrive pas. Mais c'est pas grave. On va y arriver au prochain tour. Hop, donc déjà, un petit saut sur lui, histoire de le mettre KO. Et Gumeli, si tu t'en sors bien, il y a peut-être moyen que tu arrives à le mettre KO même, hein. Hop, et voilà, parfait. Très bien, et bien, deuxième combat du tournoi, réussi avec succès. Très bien. Oh non, j'ai pas utilisé le pouvoir étoile. Oh non, l'idiot. Et le gagnant est Super Gonzalez. Et voilà le travail. Oh non, j'ai pas utilisé le pouvoir. Voilà ta paye. Vous recevez 4 pièces. Mario devient numéro 18 au classement. Bon, je dois y aller. À plus tard.
Ah non! On s'est foiré! Ah, t'es costaud toi alors, gagné contre moi! Mais j'aurai ma revanche, t'inquiète! Ouais, bah je pense que tu vas même avoir ta revanche tout de suite parce que vu que je me suis planté et que j'ai pas fait de l'interaction, bah je crois qu'on va se rebattre ensemble. Ok, Gonzalez, je vois que tu as hâte de t'y mettre. Let me see, tu vas te battre contre... Yes, de coup à cool, number 19 au classement, ça va saigner. Pour ce combat, n'utilise pas de pouvoir étoile. C'est une chorégraphie que je veux voir, pas une boucherie aussi. Allez, va combattre en beauté. Ah, bon bah, ils auraient pas pu inverser les deux, parce que là, du coup, on sait faire, hein, ne pas utiliser des pouvoirs étoiles. Ah, j'ai été un petit peu idiot. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur celui-là parce que, bon, on vient de le faire ce combat. Donc c'est vraiment parce que je me suis planté, en fait, comme un idiot. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Bon, je passe, du coup. C'est exactement le combat qu'on vient de faire. Mais, sauf que, bah là, il faut que je n'utilise pas de pouvoir étoile. Alors, globalement, ça, je m'en sors très bien parce que beaucoup d'entre vous me le disent hein, souvent, c'est que je n'utilise pas assez les pouvoirs étoiles, et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, je peux pas le nier. J'y pense pas, en fait. À chaque fois, je me dis, c'est un peu précieux comme truc, donc je préfère pas l'utiliser et le garder en réserve, et au final, je l'utilise jamais, donc... Ok, fais attention, fais attention. Alors, vas-y, un petit saut sur lui, un petit saut sur l'autre. Voilà, comme ça, c'est réglé. Et il nous reste le volant. Il nous reste le volant. Ok, donc on va essayer quand même de faire gaffe, de respecter les consignes, parce que si on respecte pas les consignes, le problème c'est que on avancera pas vite dans le classement. Alors par contre j'ai fait n'importe quoi, mais bon c'est pas grave. Hop, parce que vous voyez là du coup, je suis 18ème et je me bats contre le 19ème, donc c'est vrai que c'est un petit peu inutile parce qu'on va pas gagner de place, mais bon. Ok, normalement j'ai réussi le défi, donc là on est pas mal. Alors, est-ce qu'il va nous dire quelque chose de différent? Et le gagnant est Super Gonzalez! Et voilà le travail. Très bien, non, rien de spécial. Voilà ta paye. Très bien, une petite piécette, 4 piécettes. Reste numéro 18 au classement. Bon, je dois y aller, à plus tard. Très bien, bon, désolé du coup pour cette petite perte de temps, on va essayer de respecter les consignes maintenant. Nouveau combat, donc là on devrait se battre contre le 17. Ok, Gonzalez, je vois que tu as hâte de t'y mettre. Let me see, tu vas te battre contre... Yes, de Cactisateur, number 17 au classement. Ça va saigner. Pour ce combat, n'utilise pas de points de fleurs. Je veux voir un match qui retourne technique pure, si. Allez, je vais une foule en délire. Ok. Ok, ok. Bon, pas de points de fleurs. Ça devrait être faisable, facilement, je pense. Gonzalez, c'est l'heure du combat, suis-moi. Ça devrait être faisable, d'autant plus que je n'en ai pas utilisé au combat précédent. Donc ça... Ah, ok, c'est eux. Justement, je me posais un peu la question. Le combat opposera le bourreau des enfers, Super Gonzalez, tout l'inapprochable Cactisateur. Personne ne nous battra. Approche-toi et ta douleur sera terrible. Et le combat commence. Ok, alors eux, il va falloir les analyser parce que je ne sais pas du tout comment ils fonctionnent. Hop, vas-y, échange. Du coup, analyse-moi les pokés. Ça s'appelle les pokés. Ok, très bien. C'est un poké, un monstre cactus ou un cactus monstrueux au choix. PC max 4, puissance 3, défense 0. Ça a l'air de piquer et bien sûr, si tu sautes dessus, tu te fais mal. Il lance des morceaux de son corps ou attaque au contact. En plus, il peut aussi appeler des copains en renfort à éliminer très vite. Ok, donc je suppose que du coup, faut y aller au marteau, je suppose. Allez. Ok, c'est ça. Il faut y aller au marteau. Et donc, je pense qu'on... Ouf. Et oh... Oh là, voilà, attends. Je m'attendais... Je savais pas comment ils attaquent. Ok, voilà, là j'ai réussi à me défendre. Bah du coup, Goumeli, tu vas pas nous être très utile maintenant, donc on va changer et je vais amener Koupek. Voilà. Et nous, on va faire un coup de marteau sur le premier, comme ça au moins celui-là sera KO. Très bien. Ok, bon ça devrait le faire. Surtout, pas de capacité. Faut juste pas oublier ça. Ok, et faut que je pense à me soigner aussi, parce que je sais qu'on peut se soigner dans le vestiaire. Allez. Hop. Bim, parfait. Et du coup, Mario va pouvoir le terminer tranquillou. Hop, voilà, un petit coup simple. Ça suffit largement. Et il reste que lui. Ah, j'ai pas réussi à me défendre. Bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de risque au combat. Parce
comme j'ai dit, je vais me soigner. Hop, et un petit coup de marteau. Allez, voilà. Et sans PF, du coup, on devrait monter dans le classement. Très bien. Ah, on a gagné 3 points d'expérience, parce que j'avoue, sur les autres, là, on a gagné 1. Et le gagnant est Super Gonzalez. On a gagné Mario. Ah, parfait. Parfait, parfait. Voilà ta paye. Des petites piécettes, 4 piécettes. Et on devient numéro 17. Bon, je dois y aller, à plus tard. Ok, 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 ok. On va... Ah, t'es de retour, Gonzalez. Alors, t'as encore gagné, ça va pour toi, dis donc. J'aimerais bien que ça se passe aussi bien pour moi. Viens ici tout de suite. Je t'ai déjà dit que tu n'avais pas le droit d'entrer là-bas, et je t'y retrouve. Si tu veux participer à la compétition, tu dois respecter les règles. Et puis, arrête de me suivre, hein. Je n'aime pas ça du tout. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je te ferai mettre dehors, compris? C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait, encore? Encore, The Fluin? Dommage, hein. Elle est pas facile. Laisse tomber, elle prend toujours ses grands airs. Moi, c'est pas mon style. Mais pourquoi tu la suis? Elle te plaît, toi? Oublie. Bon, je vais y aller. Je viens de comprendre le jeu de mots sur son nom, The Fouin. c'est une fouine en fait, parce que il essaye de fouiller un peu partout. Comment je dors? Je me rappelle plus, je l'ai fait. Ah voilà, ok. Hop, j'allais dire, je vais faire une petite sieste, histoire d'être bien à fond là. Et du coup, je pense que je vais rechanger, je vais reprendre Goumeli en premier, parce que si j'ai besoin d'analyser, au moins comme ça, je serai avec le bon personnage dès le début, et au pire, elle l'attaquera. Corps à corps en faisant un petit saut. Ok, Gonzalez, je vois que tu as hâte de t'y remettre. Let me see, tu vas te battre contre... Yes, de décharner, number 16 au classement. Ça va saigner. Pour ce combat, tu dois prendre des dégâts au moins 3 fois. Mettre son adversaire au tapis direct, c'est pas bon pour le business. Allez, va faire les étincelles. Ok, il faut que je me prenne des dégâts 3 fois. Bon, ça devrait le faire, je sais pas à combien ils sont. Gonzalez, c'est l'heure de ton combat, suis-moi. Ok, eh ben allons-y. Allons-y, allons-y. Donc on va les analyser, comme ça on va voir combien de vies ils ont. Hop, ok. Ah, c'est des coupes à squelettes comme ça. Très bien. Le combat opposera le bourreau des enfers, Super Gonzalez, à Zontretrombé, les ont... Tout entretombe... J'arrive pas à le dire. Outretrombé, décharné. Allez, Mario, en piste vite. On va sur les osselets avec tes métatarses. Et le combat commence. Ok. Bon, du coup, eux, je les connais. On les a déjà analysés, normalement. Je dois prendre des dégâts au moins 3 fois. Ah. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais pour prendre des dégâts? Bon, on va en mettre KO 1, juste. Avec Goumeli, on va faire... On va faire du charme. Hey, les copains. Ouais, on adore Goumeli. Voilà, ok, j'ai pris des dégâts une fois. J'ai pris des dégâts deux fois. Ok, on va en tuer un deuxième. Ok, et Goumeli, elle va faire... bah pareil, encore... Hey, les copains. Ah ouais, on adore Goumeli. Ok, j'ai pris des dégâts trois fois, là, c'est bon. Allez hop, oust. Oust. C'est bon. Ok, bon par contre, c'était vraiment très simple, hein, eux. Honnêtement. Et le gagnant est Super Gonzalez. Et voilà le travail. Très bien. Voilà ta paye. 5 pièces. Ah, ça a augmenté. Je deviens numéro 16 au classement. Bon, je dois y aller. À plus tard. Très bien. On enchaîne les petits combats, là. Alors, il paraît que t'as encore gagné. T'es un costaud. Le type le plus prometteur que j'ai rencontré, et continue comme ça. Fais ce que je te dis. Aïe, aïe. Chut. Mes pieds. Oh, ça va. Du calme. Aïe. Oh, ben ici. Ça suffit. Maman. Où c'est vous? Il paraît qu'on a emmené quelqu'un de sévèrement blessé à l'hôpital. Bon, mais bon, on est dans les arènes, ça arrive souvent. Ah ouais, carrément. Carrément. Allez, on enchaîne. Prochain combat. Alors, let me see. Tu vas te battre contre les Lucky Tortures. Number 15 au classement. Ça va saigner.
Pour ce combat, n'utilise pas d'objets. Moi, j'en utilise jamais. Un vrai fighter ne compte que sur ses propres forces. Je montre à tout le monde ta puissance. N'utilise quasiment jamais d'objets. Ça et les compétences étoiles, là. C'est vraiment les trucs je ne pense jamais. Ok, allez, let's go. On enchaîne les combats. Hop. Bon, ça va, on monte. On est déjà 15e. Ok. Ok, ok, ok. Le combat opposera le bourré des enfers, Super Gonzalez, tout de fume fumiste, Lucky Torture. Allez Mario, en piste vite. Combat comme si tu risquais ta vie, parce que c'est le cas. Que le combat commence. Ok, alors là va falloir analyser pas mal, parce que je crois qu'on ne les connaît pas du tout ceux-là. Alors du coup, attends, habilité, on va faire un petit indice sur lui. Voilà, bon, de toute façon, je me doute qu'il faut l'attaquer au marteau et pas en sautant. C'est un hérisse, un coup pas hérissé, deux piques. Waouh, ça doit faire trop mal. PC Max 3, puissance 3, défense 3. Il a déjà une carapace solide, mais quand il est en boule, tu ne peux rien lui faire. Il faut que tu l'expédies d'un coup quand il se déroule. S'il est sur le dos, il n'a plus aucune protection, c'est le moment. Mais sauter dessus ferait mal, alors essaye plutôt d'utiliser un objet comme le Block Pow. Ah bah, mais faut pas qu'on utilise d'objet. Il faut pas qu'on utilise d'objets, malheureusement. Ok. Après, je peux faire marteau séisme. Hein. C'est pas un objet. Non, c'est quoi ? Un coup de séisme, c'est ça. Fait trembler le sol pour faire des dégâts aux ennemis. On peut faire ça. Ça, c'est pas un objet, hein. Hop. Et au moins... Alors, appuyez sur A au bon moment. Par contre, je ne connais pas du tout l'interaction. On l'a jamais fait. Ok. Ok, bon, ça va. Ah mince ! Je pensais pas qu'il allait avoir un deuxième truc. Ok. 2 de dégâts, c'est pas mal. Voilà, attention, attention, attention. Ouais, 3 de dégâts, eux par contre ils font assez mal. Hein. Ils font clairement assez mal. Oh non, il se régène. Ok, ok. Oh, et lui, il envoie une boule aussi. Ok, oh, il a repris une boule là. Indique, vas-y, fais un indique sur lui là. Et après on verra comment on peut attaquer les autres. Alors, c'est un là qui tue, c'est un Koopa qui chevauche un nuage. PC Max 5, puissance 2, défense 0, il lance des œufs piquants. Quand il a un œuf piquant au-dessus de la tête, évite de lui sauter dessus. Après, les œufs piquants deviennent des hérisses, alors occupe-toi vite du là qui tue. En parlant de ça, il a combien d'œufs piquants planqués dans son nuage, lui? Ok, très bien. Et bah du coup, le problème, c'est que je peux pas faire... Si, je peux utiliser les coups de marteau. Si, si, je peux utiliser ça, c'est les objets que je peux pas utiliser. Donc on va faire ça. Allez! Allez! Bim! Ah, malheureusement, j'ai fait que 1 de dégâts. Ok. Ah, mince! Mince, 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 mince. Alors, je sais ce qu'on va faire. On va faire un charme. Je vais réessayer de faire. En fait, charme, c'est pour monter la puissance des étoiles, là. Voilà, parfait. Et je vais essayer de. Ah, il me semblait bien que c'était 2, hein. Ah, qui veut m'envoyer quoi? Ah, une pièce, vas-y, envoie-moi une pièce si tu veux. Très bien, on a obtenu des pièces. Ah, pas d'objet. Alors attends, est-ce que je peux faire charme moi aussi? Augmente la puissance de la prochaine attaque. On va faire charme. Pour essayer de regagner vite fait les points étoiles là, parce que c'est ce qui va nous aider. Oula, attention, 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 ça fait mal hein. Ça fait mal, ça fait mal. Ouf. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Vas-y, refais du charme. Refais du charme, refais du charme. Ok, est-ce que ça remplit la jauge? Oui, ça remplit la jauge, du coup, c'est bon, je peux refaire coup de séisme. Et maintenant, vu que je sais comment ça marche, ça risque d'être un peu plus simple. Alors, appuyez au bon moment. Ok. Ok. Ah non, mince, bon, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, au fur et à mesure, il y en a de plus en plus. Oh, alors là, oh oui, il y en a beaucoup qui ont pris des dégâts, là, c'est très bien. C'est très très bien. Ok. Et je pense qu'on va mettre KO de Lakitu. Ah mince. Le problème c'est que Lakitu il a toujours il a toujours le truc au dessus de sa tête. Je suis un peu embêté là hein. Stratégie, on va changer de partenaire. On va amener Koopek parce que sinon je peux pas du tout les taper. Alors là je peux rien faire, mais on va essayer ou alors marteau séisme. Comme ça ça touche les deux. Ah, ça peut être le bon plan. Ah, c'est le bon plan, et en plus ça les retourne. Oh, et en plus il s'est pris un saut, très bien. Bien joué. Ok, ah c'est vrai qu'ils sont... Le combo des deux là, le Lakitu qui met tout le temps des hérisses, et puis lui là,
C'est pas simple. Ok, ah, malheureusement, il a trop de défense par rapport à ce que j'attaque. Ok, coup fort, normalement, j'arrivais à lui faire un de dégâts, donc c'est parfait. Par contre, l'autre, le Lakitu, comment je le tue, justement? Ah, bah voilà, c'est le moment. Ah mince, alors toi, tu peux rien faire, bon, c'est pas grave. Vas-y, Mario, c'est à toi de jouer. Ok, il lui reste 2 points de vie. Voilà, bah dis donc, pas simple, hein, le Lakitu et puis les trucs, là... Pas simple, mais on s'en est sorti sans utiliser d'objets. Bon, par contre, j'ai utilisé 2 fois les pouvoirs étoiles. Et le gagnant est Super Gonzalez. Ah, on a gagné. Ah, au moins, il y a un peu de challenge, parce que là, j'avoue que pour l'instant, il n'y en avait pas trop. Voilà ta paye. Merci. 5 pièces. Ah, je suis numéro 15. Bon, je dois y aller. À plus tard. Hop. Très bien. Ah. Oh, on m'a dit que le stand de hot dog proposait un nouveau menu. Il paraît que c'est un hot dog avec un œuf bizarre provenant d'une île tropicale. Il paraît aussi que manger des hot dogs au stand fait gagner le tournoi. Essaye. Ok. Bah écoute, nous, je vais juste me soigner parce que du coup j'ai pris pas mal de dégâts sur les 2 derniers combats là. Puis bon, c'est gratuit pour une fois, alors j'en profite, hein, clairement. Clairement, le lit n'est pas tout confort, mais au moins on est pas mal. Alors je vais juste reprendre Goumeli. Hop, pour pouvoir analyser dès le premier tour et éviter de perdre un tour, justement. Alors, tu vas te battre contre Yes, the truand, number 14 au classement, ça va saigner. Pour ce combat, n'utilise pas ton marteau. C'est pas wonderful, un match où tu ne peux pas compter sur tes armes, hein. Yo, j'attends un fight de pro. Ok, pas de marteau. Alors, j'espère juste que c'est des gens sur lesquels on peut sauter. Parce que sinon, je suis très mal. Gonzalez, allez, on y va, donc pas de marteau. En fonction, c'est qui les truands? Ah non, c'est bon, ok. On peut leur sauter dessus, ils ont pas de pique ou quoi. Le beau à les enfers, Gonzalez, aux infréquentables truands. Allez Mario, en piste vite. Oserais-tu te mettre à notre vitesse légendaire? Que le combat commence. C'était pas oserais-tu te mettre, c'est oserais-tu te mesurer. Mais bon, c'est pas grave. Avec un mètre, on mesure, hein, comme quoi, j'étais dans le champ lexical. Hein. Bon, bref, hop, indique. Ah, grand bandit, et ah, ok, je me disais, est-ce que la couleur a une différence? Mais a priori, oui, quand même. Il y a des bandits et des grands bandits. Alors, c'est un bandit, un vaurien qui te vole une pièce quand il t'attaque. PC max 5, puissance 2, défense 0. Un bon timing pour le bloc l'empêchera de te faire les poches. Et puis, il faut voir la tête qu'il fait quand tu le bloques. Quand il t'a piqué une pièce, élimine-le tout de suite pour la récupérer. Ok, très bien. Donc, pas de marteau. Donc, on va utiliser nos bottes. Et tiens, on va faire le saut toupie, là, des ennemis. Et en plus, fais un saut toupie. Ce que j'ai jamais fait. Bam! Oh, parfait. Ah oui, ça fait 2 et après 3. Oh, c'est bien. Ok. Oh, la tête qu'il fait. Ah, mince. Et il a pris une pièce, lui, ou pas? Ah, lui, il a réussi à prendre une pièce, malheureusement. Malheureusement. Tiens, analyse-les, là, les verts aussi, histoire qu'on sache un petit peu. Les grands bandits. C'est un grand bandit, un grand frère du bandit. PC max 8, puissance 3, défense 0. La différence avec le bandit, c'est qu'en plus des pièces, il vole aussi des objets. Lorsque tu te fais attaquer, le bon timing pour le bloc t'évitera de te faire voler. S'il te prend un objet vital, élimine-le tout de suite, sinon il partira avec. Ok. Ok. Bon. Bah écoutez, on peut faire ça déjà. Voilà, histoire de mettre KO celui-là. Ah oui, du coup, ça fait 5 de dégâts alors que le double saut, ça fait que 4. Ah, oh non, une fleur de feu. Ah, du coup, il s'est barré avec le truc, d'accord. Ok. Rends-nous ça, toi. Alors, ok, il faut faire 4 de dégâts normalement. Je peux le faire avec le saut. Hop, voilà, rends-nous la fleur. Non mais oh. Hop, est-ce que j'ai récupéré la fleur? Je pense que oui, mais bon, c'est pas grave. Bon, on nous a piqué une pièce, bon, ça va. Et le gagnant est Super Gonzalez. Et pas de quoi s'en faire une montagne. Très bien, on a réussi. Avec le défi en plus de ne pas utiliser le marteau. Voilà ta paye. Très bien. 6 pièces. Ah, et on est numéro 14. Bon, je dois y aller, à plus tard. Très bien, on monte. T'es au courant? Il paraît qu'il y a une fille super belle qui vient parfois au café du Moulinville.
Moi, j'aimerais bien l'accoster, rien qu'une fois. Tu devrais essayer de la voir, toi aussi. Je crois qu'on l'avait déjà vu la dernière fois, une fille au café. Hop, allez, on enchaîne, on est là pour monter dans le classement. On va se battre contre les carniplantes, number 13 au classement, ça va saigner. Pour ce combat, ne change pas de partenaire. Tu dois faire confiance au partenaire que t'as choisi, ça va être épique. Allez, tu me fais un combat royal. Ok, bah on va rester avec Goumeli. Bon, ça va, c'est pas trop contraignant comme challenge, clairement. Allez, let's go, on y va. Bon, ça dépend quoi. Ah ouais, quoique si c'est les plantes, si c'est des plantes piranha. Ah, c'est des plantes. Ah, y a pas que des plantes, ça va. Le combat opposera le bourreau des enfers, Super Gonzales, ou Anthropophage Carniplant. Allez, Mario, en piste. Mais tu as l'air d'avoir les poches pleines, plus pendant longtemps. Et le combat commence. Très bien. Bon, moi, je vais m'occuper de la plante carnivore. Parce que je suis le seul à pouvoir le faire, parce que bah, Goumeli va pas pouvoir taper sur elle. Et ensuite, on s'intéressera aux autres. Ok, voilà, parfait. Je l'avais analysé. Oui, c'est bon. J'allais dire, est-ce que j'avais analysé la plante? Mais oui, je connaissais déjà tout le monde en fait. C'est pour ça que j'ai pas eu à analyser. Hop, parce qu'à la base, c'est pour ça que je prends Goumeli, c'est pour analyser. Alors, non, je peux pas faire de marteau, par contre, je peux faire du saut. Bon, ça va, au final, le challenge, je vais pas dire, mais c'était assez simple, hein. Clairement assez simple. Allez, hop, un petit saut simple, et on est bon. Fallait juste garder Goumeli, et en l'occurrence, il y avait juste la plante piranha qui m'a gêné, et je l'ai tué du premier coup, donc au premier tour. Allez, on a encore gagné une fois de plus. Magnifique. Bon, j'ai peut-être aller un peu plus vite sur les dialogues, parce qu'on commence à connaître, hein. On commence à connaître. Ok. Elle doit y aller. C'est parti. Alors, t'as quelque chose à nous dire encore? Au fait, je commence à songer à la retraite, moi. Ça sert plus à grand chose que je reste ici. C'est mon dernier tournoi. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Je te trouve vraiment cool, tu sais. Alors, n'oublie pas ton pote Kevin. Ok. On s'est pas encore battu contre les deux autres, là, contre la bombe et contre lui. Je pense que les combats vont pas tarder à arriver, hein, parce que là, on est... Je sais plus, on est combien? 13e? 14e? Je sais plus. Alors, on va se battre contre... Yes, de Hyper Boston, number 12 au classement, ça va saigner. Ok, donc là, on est 13e. Merde, j'ai pas vu la consigne, mais ils vont la redire en début de combat. J'ai pas vu la consigne. Hop. Alors, let's go. Let's go. Parce que ouais, vu que là on est 13ème, il reste deux combats avant qu'on passe en Ligue 1. Donc à mon avis, les deux... Bah voilà, j'allais dire les deux combats, ça va être contre les verts et contre la bombe après. Alors, les bourreaux des enfers à absurdement violent Hyper Baston. Allez, let's go. Tu vas te retrouver en pièces détachées. Que le combat commence. Alors, quel est le défi? Parce que du coup, je n'ai pas vu... Ne saute pas. Ok, bah ça tombe bien parce que sur eux, il ne faut pas sauter, justement. Il faut... À la limite, je pourrais peut-être faire ça. Allez. Alors, par contre, j'ai sauté. Ah, c'est dommage. J'ai sauté, mais pas pour la bonne raison. Ah, mais attends, faut que je les analyse, au fait. On va analyser avec elle. Indique. Je les connaissais pas, ceux-là, c'est vrai. Hop, j'espère que j'ai pas oublié d'analyser les gens, mais bon. C'est un hyper du clef, un monstre de pierre pareil au clef, t'es au déclef. PC Max 3, puissance 2, défense 0. Défense 2, pardon. Hyper, parce que quand il se booste, son attaque passe à 8 de puissance. Il n'a pas beaucoup de PC, mais il est très résistant et insensible au feu. Il vaut mieux utiliser des objets contre lui et écrase-le avant son boost. Ok, parfait. Bon bah du coup, vas-y, on va pas se prendre la tête. Bon, on va pas se prendre la tête, on va mettre tout le monde KO. Voilà, alors j'ai sauté pour donner le coup de marteau, mais est-ce que c'est considéré comme un saut? Je ne crois pas, je pense pas, en tout cas j'espère pas. Alors, et le gagnant est Super Gonzales. Voilà, là j'avoue que ce combat là, au final on l'a réglé assez vite, hein, deux coups de marteau. Alors, la petite paye. Parfait, oh, 7 pièces. Et je suis niveau 12, enfin je suis numéro 12, pardon. Ok, je vais peut-être aller me soigner quand même, vite fait, parce qu'on a utilisé pas mal de compétences, puis j'ai pris quelques dégâts, et puis c'est gratuit, c'est rapide, donc autant en profiter, voilà. Allez, let's go, prochain combat.
Ok, Gonzalez, je vois que tu as hâte de t'y mettre. Let me see, tu vas te battre contre... Yes, le déflagrateur number 11 au classement. Ça va saigner. Pour ce combat, ne saute pas. Je veux voir un combat qui soit équilibré, understood. Allez, fais-moi un match extraordinaire. Donc du coup, effectivement, le coup de marteau où il saute, ça n'a pas compté, donc ça, c'est parfait. Ok. Allez, let's go. Gonzalez, on y va. On y va. Allez. Ah, c'est des petites bombes, c'est ça. J'avais bien dit. Le combat passera le bourreau des enfers au plus qu'instable déflagrateur. Allez, Mario, en piste vite. On y va, Gonzalez. Que le combat commence. Allez. On est prêt. Ne saute pas. Très bien. Bon, déjà, on va commencer par les analyser, voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec eux. On va peut-être faire des coups de séisme, hein. Ce sera peut-être la solution. C'est un beau bombe, un fou furieux qui attaque en se faisant exploser. PC Max 4, puissance 2, défense 0. Défense 1, pourquoi je dis 0 à chaque fois? Tu lui fais des dégâts, il se fâche. Et quand il est fâché, il se jette sur toi pour exploser. Et pour exploser, il explose. Et puis aussi, une fois fâché, il explose au moindre choc, alors ne le touche pas. Utilise le marteau et une attaque à distance avec une carapace, par exemple. Très bien. Et du coup, si je fais marteau séisme, ça donne quoi? Hop, parce que là, il a pris des dégâts, ils vont pas être contents. Ok. Oh là. Oh, j'ai réussi à me défendre sur le dernier, du coup, je suis pas mort. Oh la vache, elle a pris Goumeli toutes les explosions. La vache. Et le gagnant est Super Gonzalez. Et pas de quoi se faire, une montagne. Excuse-moi, il te reste 3 PV, hein, donc on va peut-être se calmer, Goumeli. Voilà ta paye. Vous recevez 7 pièces. Mario devient numéro 11 au classement. Bon, je dois y aller. À plus tard. Très bien. Depuis que Kevin est parti, c'est un peu triste ici. Il est parti parce qu'il n'était pas assez fort, c'est tout. Et alors ? Bien, voici ton vestiaire. Tu vas commencer la compétition en deuxième ligue. Si ce vestiaire mythique t'incommode, débrouille-toi pour passer vite en première ligue. Tu pourras utiliser cet ordinateur pendant la durée de la compétition. Le patron décidera à qui tu seras opposé à chaque tour. Tu ne pourras pas discuter. Je vais te montrer. Approche-toi de l'ordinateur et appuie sur A. Choisis ensuite nouveau combat. Dépêche-toi d'allumer l'ordinateur, tu ne comprends pas ? Bonjour, Elimine, mon dieu. Tu veux déjà te battre, excellent challenge spirit. Pour ton first fight, tu vas affronter les Showing Gooms. Je pense que tu n'en feras qu'une bouchée, montre ce que tu sais faire. Et pour faire plaisir au public, fais en sorte qu'il y ait 3 tours. Adresse-toi à ces notés pour connaître les autres règles. Allez, good luck. Tu sais qui tu vas devoir affronter. Attends qu'on vient de te chercher. La première équipe qui réduit le nombre de PC de ses adversaires à 0 l'emporte. Si tu bats un adversaire mieux classé que toi, ton classement s'améliore. Et si un adversaire moins bien classé que toi te bat, ton classement régresse. Attention, la victoire ne suffit pas. Il faut aussi suivre les consignes du patron. Cette fois-ci, par exemple, fais en sorte qu'il y ait 3 tours. Suis sa consigne et tu auras un adversaire mieux classé que toi la prochaine fois. Quand tu atteindras la 11e place du classement, tu pourras passer en première ligue. Je crois que je t'ai tout expliqué. J'espère que tu as tout enregistré. Très bien. Alors, attends qu'on vienne te chercher. Salut, je m'appelle Elimine. Enchanté. Elimine, c'est à toi, par ici. On vient te chercher. Tâche de ne pas laisser ta peau sur le ring. Ok, un nouveau concurrent qui est arrivé. Mais alors attendez, parce que moi je suis 11ème, normalement je passe en Ligue 1 là. Hop. Bon, faut peut-être refaire un combat une fois qu'on est 11ème pour vraiment passer dans la Ligue 1. Eh bien écoutez, je me soigne parce que du coup Goumeli avait pris quand même vachement cher. Et on est parti pour un nouveau combat. Ok, Gonzalez, ça c'est du Fighting Spirit. Tu vas te battre contre Yes, de Tête d'Acier, number 10 au classement. Hier, yeah, alors on s'attaque à la première ligue. Good for you. Je compte sur toi pour nous faire un fight du tonnerre. Pour ce combat, n'utilise pas d'objet. Un vrai fighter ne compte que sur ses propres forces. Allez, montre à tout le monde ta puissance.
Très bien, donc effectivement, on s'attaque à la première ligue maintenant. Gonzalez, c'est l'heure de ton combat. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. Attention. Oh là, l'angle de caméra a changé tout, là on voit que c'est la première ligue. Et voici l'événement du jour, le combat opposant Super Gonzalez, 11e au classement, aux têtes d'acier, 10e en première ligue. Et voici que monte sur le ring le bourreau des enfers, Super Gonzalez. Gonzalez, voleur dans les plumes, t'es le plus fort, ça c'est de la moustache. Super Gonzalez, comment te sens-tu? Un pec. Ok, ok, on compte sur ton fighting spirit. Oh. Enfin, et voilà, quel pic. Oh, ils sont gros, hein. Ah ah, une fois de plus, le challenger en veut. Il m'a dit, je cite, ses adversaires sont les rigolos, des puces du plancton. Les moucherons comme eux ne feraient mieux de rester chez eux à jouer à la console. Et puis, qu'ils retournent dans les jupes de leur mère. Ce genre de choses. Quoi? Quoi, ma mère? On va voir chez Menu vous transformer en jus de légumes. Et puis, on va vous apprendre à insulter les gens, nous. Vous allez voir, morveux. T'inquiète, il faut regretter d'avoir osé accepter ce combat. On est en acier et personne ne peut rien contre nos pics. Tu pourras rien faire, morveux. T'es pas prêt de revoir le soleil. Que le combat commence! Ok, alors là, attention, ça a l'air d'être des costauds, n'utilise pas d'objets. Si on gagne ce combat, tu passeras en première ligue. Allez, il faut gagner. Ah, 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 vous êtes fait. On va vous montrer. Ok, alors déjà, on va inverser les rôles et tu vas me les analyser parce que du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. C'est un cleft acier, une grosse brute. PC Max 6, puissance 4, défense... Défense inconnue? Mais c'est quoi ça? Tu veux dire qu'il est quasi invulnérable? Il est tellement solide que rien ne peut l'endommager. Si c'est vrai, il ne reste plus qu'à utiliser son frangin pour lui taper dessus. Y a pas honte à fuir quand on peut rien faire. Ah ah! Ah, et c'est les mêmes, c'est les deux mêmes, donc ok. Et bah, j'ai envie de tenter un truc, tout à l'heure ça avait marché. Quand j'ai fait marteau-séisme, ça a retourné les clefts comme ça. Donc je me dis que ça peut peut-être marcher. Oh bah, merci pour le petit cœur. Donc peut-être que. On va pouvoir les retourner. Ah non, malheureusement, on n'arrive pas à les retourner. Oh, 4 de puissance par contre. Ok, bon, par contre, on a le temps de les voir venir. Ok. Alors, pas d'objet. On n'a pas le droit aux objets. Le problème, c'est que moi, je peux pas leur sauter dessus. Je tenterai bien le charme. On va faire du charme pour refaire le truc de... Qui c'est qui veut m'envoyer quoi, là? Il veut m'envoyer une carapace. Vas-y, envoie-moi une carapace. Carapadure. Très bien. Je referai bien du charme pour essayer... Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Pour essayer, comment dire, de faire le séisme, là. Ah mince, voilà, par contre Gomélie elle prend hein. Ok, bon, j'arrive à me défendre mais pas tout le temps hein. Ok, c'est bon. Alors habilité, ah non, malheureusement. Attends, on va faire jouer Mario avant. Hop, il va faire la petite puissance étoile. Coup de séisme, c'est ça. Ok, maintenant que je sais comment on joue à ça. Alors, let's go. Hop, hop, hop. 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 Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ah. Oh, c'est pas mal, hein, honnêtement. J'ai jamais été aussi loin. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh là, ils ont dû prendre des dégâts, là. Zéro. Ils ont rien pris. Ils ont rien pris. Je pensais qu'ils allaient prendre au moins un petit peu. Le problème, c'est que j'ai pas le droit d'utiliser d'objets. J'ai pas le droit d'utiliser d'objets. Je sais pas quoi faire du coup. On peut fuir le combat. Elle a dit il n'y a pas de honte à fuir. Et si je fuis? Ça fait quoi si je fuis? Ça fait quoi si je fuis? La victoire revient à le Wonderful Tête d'Acier. Ah d'accord, c'est comme si on perd. Ah, alors vous avez compris qu'on était imbattable. Revenez quand vous voulez. On va laver ta moustache. Ok. Voilà ta paye.
Ok, bon, on a perdu, mais attendez, parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser des objets. Bon, je dois y aller, à plus tard. Est-ce que, là... Ah, attendez. Ah, c'est dommage, tu devrais aller te promener en ville pour oublier tout ça. Va donc manger un hot dog au stand, après tu gagneras, c'est sûr. Pourquoi ils me disent tous ça? Pourquoi ils me disent tous de manger un hot dog? Attendez, c'est quoi le rapport avec les hot dogs? Hot dog... Redonne 5 PF et 5 PC. Oui, non, mais c'est juste pour l'histoire, mais en fait... Ah, attendez, en fait, là, j'espère que je vais avoir un autre challenge que n'utilise pas d'objet, parce que sinon... Ok, n'utilise pas d'objet. Ah, mince. Mince. Par contre, attends, est-ce que je peux aller me soigner avant? Ou est-ce que c'est trop tard? Ok, c'est bon, j'ai le temps d'aller me soigner, vite fait. Ok, alors, n'utilise pas d'objet... Mais en même temps... Gonzalez, ok. N'utilise pas d'objet, mais en même temps, je vois pas ce qui peut leur faire des dégâts. Parce que j'ai fait ma plus grosse attaque séisme, en plus. Comment je vais pouvoir les affronter, eux? Attendez, comment je vais pouvoir les affronter? On peut tenter le coup de marteau, hein, mais... Mais j'ai un peu peur... J'ai un peu peur que ça marche pas, en fait. N'utilise pas d'objet. Allez, Mario, c'est le moment ou jamais. Ah, vous êtes fait. On va vous montrer. Ok. Si je fais coup fort. Elle a dit il faut utiliser l'un pour taper sur l'autre. Bon, elle avait dit aussi il faut arrêter de fuir. Ah, mince. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, attendez, j'ai peut-être une idée. On va changer. Non, attends, on va changer. On va amener Cumulia. Est-ce que je peux en souffler un? Ok, alors attendez. Hop. Est-ce que je peux les souffler? Parce que si je les souffle, à la limite, c'est pas mal aussi. Coup fort. De toute façon, j'ai l'impression que ça fait rien. Hein. Mario, il peut pas faire grand-chose, j'ai l'impression. J'ai beau le taper, ça ne fait rien. Hop. Envoie une bourrasque. Vas-y. Ouf. Ah, ça arrive pas à les souffler, mince. Ok. Qu'est-ce que je peux faire en fait? C'est pas qu'est-ce que je suis censé faire, c'est qu'est-ce que je peux faire. Le problème c'est qu'ils m'ont dit pas d'objets. Si j'utilise des objets, je vais pas gagner le tour en fait, donc ça sert à rien. Enfin, il va falloir que je les rebatte derrière. Je peux essayer ça. Enfin, des attaques de saut, là, mais ils ont des pics, quoi, donc... On va essayer, vite fait. Ouais, non, en fait, je me disais, je vais peut-être prendre des dégâts de recul, mais... Oh, calmez-vous, là. Je vais peut-être prendre des dégâts de recul, mais au moins... Alors, par contre, attends, parce que je suis très, très mal, là. Ah, mais le problème, c'est que si j'utilise un objet, je suis mort. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. On va faire de la défense déjà. De toute façon, bah même si... Ah non, c'est bon! Vénard, très bien. Très bien joué. Le problème, c'est que je ne peux rien faire. Je comprends pas en fait ce que je... suis censé pouvoir faire pour ce combat. Est-ce que je peux attaquer autre chose? Est-ce que je peux attaquer genre le décor ou quoi? Non. J'ai essayé ça, mais tout à l'heure ça a pas marché. Ah non, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Fais du charme pour essayer. J'aurais dû faire du charme pour essayer qu'on se soigne. Ah mince! Bon bah il est mort. Il est mort, Mario. Ah mince, comment je suis censé passer ce combat là? Comment je suis censé passer ce combat? Hop. Alors, ok, j'ai reçu une pièce. Je reste numéro 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une astuce pour passer ce combat? Attendez. Ah, et c'est dommage. Tu devrais aller te promener en ville pour oublier tout ça. Va donc manger hot dog au stand. Attendez. Si je vais vraiment manger hot dog au stand, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il se passe quelque chose?
Oula. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Oula, il y a foule là. Qu'est-ce qui se passe? Oula, il y a la mascotte. Oh là là, moi j'ai peur de la foule. Ok. Ok, on sort. Attention. Attention. Bon. Ah là là, c'est horrible. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon œuf s'est échappé. Aidez-moi à le rattraper. Il y a un œuf. Vite. Il est là. Ah. Ni bras ni jambes, mais je n'arrive pas à le rattraper. Il faut que ça arrive au moment où j'allais préparer mon super œuf dog. Et dire que j'ai fait venir cet œuf d'une île de l'antenne tropicale. Allez, ne laisse pas planter comme ça. Essaye de l'attraper. Je sais pas, moi. Non, je l'ai pas eu. Non. Non, il est où? Reviens là, l'œuf. J'arrive pas à le choper. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ah là là. Maintenant qu'il est perché là-haut, il faudrait pouvoir voler pour aller le chercher. Allez, ne reste pas planté comme ça. Essaye de trouver une idée pour l'attraper. Bon, je sais exactement comment aller sur cette camionnette parce que on y est déjà allé en fait la dernière fois. Mais je pense qu'on verra ça, eh bien, dans le prochain épisode. Donc je pense qu'effectivement, pour l'instant, on ne peut pas le battre. Mais du coup, il y a l'air d'avoir un petit événement en dehors de la salle de catch. Donc, on découvrira ça la prochaine fois. En tout cas, bah écoutez, n'hésitez pas à, laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette première partie du tournoi de catch qui était la Ligue 2 où on a enchaîné pas mal de petits combats. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très rapidement pour... Déjà, retrouver cet œuf-là, bon, je sais comment on y va avec l'avion papier qu'on avait fait la dernière fois. Mais du coup, peut-être que ça va nous aider pour la suite du tournoi, en tout cas, je l'espère. Sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt, et bye tout le monde!